Et bonjour, bonsoir à tous, ici Endo. Vous regardez Regarde dans le rétro sur Ivassin Studio. C'est le premier épisode de Pokémon sur version argent. Rappelez-vous, l'année dernière, Jack, avec Kakipon, Ralga et Tauren, avait déjà fait une première aventure sur la première génération de Pokémon à l'occasion des 20 ans du jeu. On est donc parti sur un deuxième concours avec trois nouveaux candidats. On va commencer l'aventure tout de suite. Comme vous voyez, j'ai déjà fait une aventure, hein, on va la supprimer. C'était histoire de me réchauffer un peu parce que ça fait quand même 10 ans que j'y ai pas joué. Quoi, tu m'as réveillé. Mais quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Eh bien, il est... Tac. Zut, hop. Il est 4 heures du jour, oui. Combien de minutes? Il est... 16h44. Waouh, 44 minutes, oui. Non, je suis en retard. Il va falloir te réveiller plus tôt. Bonjour, désolé de l'attente. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Mon nom est Shen. Mais on appelle le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Certains jouent avec les Pokémon, d'autres font des combats avec eux. Mais il reste beaucoup à apprendre sur nos amis. De nombreux mystères planent sur le sujet. Et c'est pourquoi j'étudie les Pokémon tous les jours. C'est quoi ton nom? Eh ben on s'appelle... Tac... Endo. Endo, es-tu prêt? Ta quête Pokémon est sur le point de commencer. Joie et péril paveront ta route. Un monde de rêve, de danger, de Pokémon t'attend. En avant. A plus tard. Effectivement, on va voir assez vite. Hein. Hop. Il n'y a rien du tout. Hop. Et voici maman. Ah, Endo, notre voisin, le professeur Orme, te cherchait. Il voulait que tu fasses quelque chose pour lui. Oh, j'ai oublié, ton Pokématos est revenu de chez réparateur. Tiens. Alors, le Pokématos, c'est l'outil dans lequel on a la carte, on va avoir aussi le téléphone, on va avoir aussi la radio. Hop. Alors, quel jour on est? On est... Hop, mercredi. Changement d'heure activé, oui. Oui, reviens à la maison pour le changement d'heure. Sais-tu comment utiliser le téléphone? Oui, mais elle va quand même dire comment on fait, voilà, blablabla. Je sais. Hop. Allons-y gaiement. Donc pour chaque version argent or cristal, on aura chacun un starter. Et on devra le garder du début jusqu'à la fin. Hop, avec ses trouvailles. Bref, j'ai reçu un email disant que cette fois, c'est la bonne. Cela m'intrigue, mais nous sommes débordés avec nos recherches sur les Pokémon. Peux-tu t'en occuper pour moi? Voilà, on voit le professeur Oh nous confie une quête. Et un de ses Pokémon. Donc j'en choisis un. Et pour mon aventure, je choisirai Erisandre. Pokémon de type feu, c'est... probablement le starter le plus simple pour commencer. Germignon étant le plus compliqué. On donne pas de surnom. Hop, donc on ira à Villegriotte, après Villegriotte. Donc c'est pas très loin. Hop. Le numéro de téléphone. Et c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Voilà, c'est parti. On aperçoit déjà le rival qui est en haut. Voilà, génial. Première herbe, un Pokémon. Un Rokul. Bon, évidemment, à chaque fois, le début est toujours très très simple. Hein.
Je vais en profiter pour rappeler les règles. Donc, comme je disais, il faut qu'on garde notre starter du début jusqu'à la fin. Le but de ce concours, ça sera de finir la ligue Pokémon en premier, donc de devenir maître. Et ça sera le timer du Hall of Fame qui fera foi. Les légendaires seront autorisés. Personnellement, pour ce qui est de mon aventure, j'en prendrai pas. J'en aurais l'utilité, mais ils sont trop compliqués à avoir. J'ai pas envie d'aller chercher Lugia dans les tourbilles, c'est compliqué, c'est un vrai labyrinthe. Et en plus, on n'aura pas la Master Ball, parce qu'on l'obtient après la Ligue Pokémon. Hop, ça c'est fait. Pour des soucis d'XP, on fera aussi tous les combats, on n'en fera quasiment aucun. Parce que franchement, la Ligue Pokémon, et du moins Peter, ils sont vraiment, vraiment très durs. Donc si on rate des dresseurs ou des combats dans les hautes herbes, on va avoir un retard en XP assez colossal. Parce que Peter a des Pokémon de niveau 60, si je dis pas de bêtises. Attends. Voilà. Niveau 6. Bon, là, ça va pas être très très utile. Ça réduit la précision. Encore un fouinette. De toute façon, dans ces herbes-là, il n'y a que ça. Roku les fouinettes. Aucune difficulté. Hop. Les dernières autres herbes avant de grillotte. Waouh. Pokémon tellement rare. Hop. Ça échoue. Le début est vraiment pas très très impressionnant, hein. Ça se bat à coup de charge et de mimiqueux. Hein. Ça commencera à devenir intéressant à partir de la première arène déjà. Hein. On n'aura absolument aucune difficulté normalement, ni même pour la deuxième. Les vraies difficultés commenceront à la troisième arène. Hein. Voilà. On va parler au monsieur. Hop. On dit oui parce qu'il va nous donner un petit truc assez sympa à la fin de cette visite guidée. Alors, c'est un simple Pokémon. On y soigne le Pokémon en moins de temps qu'il nous faut pour le dire. Ça, on sait. Hop. Le shop. On achète plein de trucs utiles, voilà, Pokéball, pardon, potions, etc. Ah, voici la mer, oui. Très belle mer. Je ne m'arrêterai pas sur le fait que là, un vieux monsieur vient d'envoyer un jeune garçon chez lui, hein, quand même, c'est bizarre. Hop. On a reçu donc la carte. Elle va être quand même plus ou moins utile. On va s'arrêter au centre Pokémon soigner et cendre. Hop. Alors là, dans le concours d'avant, il y avait eu des candidats qui n'avaient pas vraiment misé sur leur starter. Nous, on va miser dessus. Il va nous être utile. Tout le long de l'aventure, parce que c'est vraiment le type feu est vraiment utile sur plusieurs arènes et même à la Ligue Pokémon il nous sera utile.
continue notre petit bonhomme de chemin. Cocon fort. Toujours pas d'attaque de type feu. Ah, ça commence. Le cocon fort, c'est que ça fait que des armures, ça éternise un peu le combat, hein, il ne coupe pas grand chose. Je fais presque plus de dégâts. L'aventure, j'ai déjà une idée de mon équipe finale. Hein. Après, ça dépendra de complètement de quel Pokémon on va croiser sur notre chemin. Je vous dis pas tout pour le moment. Mais sachez que là, il y a déjà un Pokémon qu'on a vu et qui m'intéresse. Indice, il est efficace contre les types combat et insectes. Bonjour, c'est toi Ando? Non, le professeur A m'a dit que tu viendrais. Oui, c'est moi-même. Voilà ce que je voudrais que le professeur m'examine. Ando reçoit l'œuf mystère. Ah oui, l'œuf mystère. Il ne servira quasiment rien. Hop, je croyais un couple d'amis qui dirige une pension pour Pokémon. Ils m'ont donné cet œuf. Il m'a perdu le luche, alors j'ai écrit au professeur Arm. En ce qui concerne les évolutions de Pokémon, le professeur Arm est incollable. Même le professeur Chan le reconnaît. A mon avis, le professeur Arm aura une explication. Et donc, c'est le professeur Chan. Ah. Moi, c'est Chan, je suis un chercheur Pokémon, blablabla. Je rends visite à mon ami Monsieur Pokémon. Que tu veux ce professeur. Assez de blabla. Oui, je lui donne de confiance. Et il nous donne le Pokédex. Donc évidemment, vu que c'est une course contre la montre, on s'attardera pas à le remplir. Hop. Il soigne une Pokémon, j'en ai pas l'utilité. Hein. Hop, c'est parti. Là, on a un appel. Bon, bonjour, Ando, c'est un désastre. Et eux, c'est tout simplement terrible. Que dois-je faire, ça? Oh non, reviens vite ici. Clic. Hop. Et oui, il se passe quelque chose d'assez grave. Je vous spoil pas. Même si je pense que vous savez déjà, si vous connaissez déjà un peu le jeu. Hop. Une bonne chose de faite. Et c'est ce combat, beaucoup de charge, voilà, c'est ennuyant. Ah, niveau 8. On prend un sérieux avantage sur le prochain combat. Hein. Je parle pas de celui-là, évidemment. Je parle du premier dresseur qu'on va affronter. Thank you.
cosmétique. Hop. Au cool, niveau 4, on n'en parle plus. Hop. On va passer par le centre Pokémon juste avant le premier combat qui va avoir lieu juste ici. Merci infirmière Joël. Hop, c'est parti. Tu as reçu un Pokémon au labo. Quel gâchis, une mauviette comme toi. Je te permets pas. Tu ne piches pas ce que je dis. Et en bref, c'est à moi. J'ai moi aussi un très bon Pokémon. Et je vais te montrer ce que ça veut dire. Donc voici notre rival, la flamboyante chevelure. Point d'interrogation pour se battre. Et évidemment, il a notre anti-type. Laissons un temps de type feu qui est devenu c'est de type eau. Comme c'est étrange, ça me rappelle pas du tout la première génération avec Regis. Je pense que c'est vraiment la dernière génération où le rival est vraiment cool, parce que dans la première génération, le rival c'est Regis, c'est le petit-fils du professeur Shen. Il devient maître de la ligue juste avant d'être battu, et puis après devient maître de l'arène de Jadiel. Dans cette génération-là, la deuxième, c'est un voleur sans scrupules, quand même, c'est assez badass. Et après, ça perd un peu en charisme. Hein. Hop, donc ça c'est fait, c'était pas très dur. Hop. J'ai pas du tout regardé où est-ce qu'on était les cendres. Hop. On est bien. On est même très bien. Hop, pas par là. Je passe un peu volontairement par les hautes herbes, hein, ça nous fait des combats en plus, de l'expérience en plus. Ça mange pas de pain. Ah zut, raté. Hop. Raté. Hop, voilà. Niveau 9. Encore un en cool. Niveau 2. Aucune difficulté. One shot, voilà, coup critique. On n'en parle plus, c'est plié. Hop. Tac, et là, c'est le drame. J'ai entendu dire qu'un Pokémon a été volé ici. Je viens de recevoir des infos du professeur Orm. Apparemment, c'était un jeune garnement aux longs cheveux rouges. Racaille, racaille. Quoi? Tu vois comment tu es un dresseur comme ça? As-tu entendu son nom? Alors, comment on appelle notre rival? Allez, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler Tauren juste pour le private joke. Mais donc Tauren, merci pour ta coopération, mais de rien, monsieur l'agent. Ando, c'est terrible au fait qu'elle a été l'importante découverte du monsieur Pokémon. Donc on confie l'œuf mystère au professeur Orm qui n'en revient pas. C'est un œuf de Pokémon, si c'est un vrai, c'est une grande découverte. Hop, le professeur te donne un Pokédex, oui monsieur. Et ouais, je pèse dans le game. Hop.
Eh ouais. Ça c'est bon. Voilà, donc on va pouvoir se diriger vers la première arène à Mauville. Gentil assistant nous donne des Pokéballs. Ça va nous être utile assez rapidement. Hein. Hop. C'est parti. Là, on va se faire enquiquiner par l'autre abruti. Voilà. Je te connais, toi. Combien de Pokémon as-tu attrapé? Tu veux que je te montre comment attraper les Pokémon? Non, merci. Dégage de mon chemin. Merci bien. Pas besoin de conseils, je connais le jeu presque par cœur. Même si ça fait 10 ans que j'y ai pas joué, je connais par cœur. J'avais plus joué sur la version cristal, ceci dit. Mais bon, là, ça sera Game. Qui, du coup, avait choisi quand même de jouer sur cristal. Il s'inflige lui-même un handicap, hein, parce que... Il y a des dialogues et des cinématiques en plus obligatoires. Donc, niveau timer, bah, ça tourne un peu plus. Et puis, il a aussi le starter le plus compliqué pour le début du jeu. Même pour la ligue, son starter, je le trouve pas très très utile. Hop! J'aurais bien voulu tomber sur un Roucool. Voyons voir. Allez, on va faire une petite halte au centre Pokémon. Hop. C'est parti. Donc là, on va commencer notre voyage. On va affronter les premiers dresseurs. Hop, c'est par là. Donc là, on va y avoir essentiellement du Pokémon normal, du Pokémon type insecte. Hein. Putain, quand je parle de Pokémon insecte. Donc vraiment aucune difficulté. Si ce n'est cette perte de temps avec la capacité armure. Tu serais bien aimable de mourir. Pas encore. Allez, va-t'en. Voilà. Déjà bientôt niveau 10. Hein. Hop, premier combat. J'ai l'air faible, combat. Ben, on va voir ça de mon gars. Gaspard. Les prénoms quand même des dresseurs parfois c'est assez what the fuck hein. On se demande si les parents ces enfants les aiment vraiment parce que Gaspard là pour un gamin. Ça fait mal quand même, c'est dur à porter. Hop, niveau 10, parfait. Hop, ni pas sympa. Qui a dit que j'étais sympa? Mince, hop. Combat, certes. Ar. Mais on n'est pas dans Nemo, mince. Niveau 2 pour un niveau 10, ça devrait le faire.
Voilà, ça c'est fait. Allez, donne-moi la thune, 64 poké. Allez, un recool. S'il te plaît. Oui, un recool. Niveau combien? Oh, niveau 2, c'est faible. Tant pis. On va le prendre quand même. Ne tue pas. Parfait. Hop. Pokéball. Allez-y. Voilà. Alors, pourquoi Rokul? Il va nous être très très utile. Mais déjà, il nous faut un Pokémon de type vol. Pour la capacité secret de vol. Pas de surnom, non. Hop. Mais pas que. Il va nous être utile sur la 1, 2, 3, 4, 5ème arène. Jean-Raoul. Jean-Raoul, quoi. Les traducteurs, s'il vous plaît. Ils sont amusés, je suis sur les traducteurs français. Hein. Sécrétion, ça me ralentit. Soit. Oh là là, Jean-Raoul. Continue. Téléphone, maman. Ah, allô, Anto, d'après le proforme, tu as fait un long trajet. J'aurais aimé que tu m'en parles. Et pour l'argent, dois-je le conserver? Ah, c'est vrai que j'ai pas été la voir. Non, tu conserves pas l'argent. Je suis juste avec toi, poussin. Par là. Capturer celui-ci, on n'est pas à un niveau près. Surtout entre le niveau 2 et 3, il n'y a vraiment rien en expérience. Alors, sinon je le tue alors. Critique. Qu'en confort. Oh non, pas armure. Ah, c'est long, c'est long, c'est trop long. Plus il est niveau 6. Pour des raisons de confort, je joue avec une manette de Xbox, hein, parce que jouer au clavier, c'est pas pratique sur l'émulateur. Voilà. Niveau 11. On devrait bientôt apprendre Flamèche normalement. Hop. Antidote, ça va nous être très utile, comme je disais, il y a beaucoup de Pokémon insectes qui ont un double type poison. Hop, Pokéball, ça mange pas de pain non plus. Voilà.
un scout Maxime. Eh ben voilà, enfin un prénom un peu plus conventionnel. Mais bon, je dis pas niveau 2 quoi, hein. Faut pas aller bien loin avec ça. Ok, donc le transport n'a que des chenipans. Niveau 2. Ah non, un aspicot. Tout de même, hein. Que ça me rend pas empoisonné, ça me va. Donne-moi de l'argent. Encore un gros coup le niveau 3. Bientôt à Mauville. Et voilà, on est à Mauville. On va tout de suite passer par le centre Pokémon. Tout de suite se mettre devant la tour Chétiflore. Elle est grande, elle est belle, elle est pleine de Pokémon. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cet épisode. Suivez Evasan Studio sur les réseaux sociaux. À la prochaine tout le monde. Ciao.